Vous étiez coincé sur une lune. Là voilà, c'était avant. Par chance et après de nombreuses péripéties, euh, vous avez réussi enfin à vous évader de cette lune, une lune euh, couverte de jungle, pour enfin regagner l'espace, l'ombre entre les étoiles la sécurité du vide spatial afin de rejoindre un endroit qu'on va qualifier de civilisé c'est qu'une fois arrivé sur euh, sur une planète et dans le dans la ville de Karak que vous avez pu enfin ben voilà respirer de nouveau l'air d'un astroport revoir la civilisation, la foule. et c'est surtout là que bien votre passé vous a rattrapé. votre commanditaire, ou du moins, qui se prétend être votre commanditaire, léa maroun, vous a, a pris contact avec vous. Un intermédiaire et elle vous a fait comprendre qu'elle n'était elle pas très satisfaite d'avoir perdu un vaisseau dans cette petite histoire. Il semblerait que les choses tombent bien puisque elle a fait, fait tracer le vaisseau, mais pas que le tabula que vous aviez récupéré sur le muet, était lui-même équipé d'un capteur. Et quand vous êtes arrivé donc à Karak, à la su, vous arriviez. Elle ne semblait pas vraiment fâchée, du moins pas contre vous. Elle désire ardemment récupérer le roc écarlate. Et considérant comme étant toujours ses employés, du moins pour la majorité d'entre eux, elle vous a simplement invité à récupérer ce vaisseau et de le ramener à bon port comme convenu. Tout en vous promettant que elle ne serait pas ingrate si vous réussissiez à effectuer ce travail et que vous pourriez bénéficier d'une récompense qui devrait vous satisfaire. En lisant entre les lignes, si la proposition était certes tuteuse vous avez aussi compris qu'elle. On ne proposait pas vraiment de refus. Il Avère que, pour une fois, la plupart d'entre vous, eh bien, d'une certaine manière, être responsable, si vous le vouliez ou non, de la situation. Peut-être une occasion aussi pour se venger. Et alors que vous commenciez à déambuler et en espérant commencer à faire vos recherches, savoir où était ce euh, votre ancien vaisseau et à la recherche du d'un nommé le vizir semble être euh, le nouveau propriétaire du Rock écarlate vous déambulez sur le marché et c'est en prenant des informations ce, ce machin Pardon. Que Salim croise le regard de quelqu'un. Un peu plus loin, dans les allées du marché, il croise le regard de Saïd Yassar. Le. celui qu'on. l'ancien médecin de votre équipage qui s'avère être le meurtrier d'à peu près l'intégralité des passagers du moins c'est effectivement peut-être que certains d'entre vous ont encore un doute peut-être qu'il est innocent euh... il enfin, y, y a peu de chances que ça soit le cas en tout cas euh... parce qu'à part vous toutes les, toutes les personnes qui l'ont croisé ne sont plus en vie. Et finalement, c'est le seul qui est... Et il est ici. Déjà. Donc, au milieu de cette foule, tu croises son regard. Salim, quelle est ta réaction Moi, je veux l'empêcher de fuir et je me dis que c'est sûrement la première chose qu'il va faire. Donc... Euh... Je veux, je veux absolument éviter de le perdre de vue en fait. Ah il t'a vu. Hein. Bon. Ce qui est certain c'est qu'il t'a vu. Là on est sur euh, vraiment un court instant. Regarde, il vient de se croiser. Qu'est-ce que tu fais Il n'est pas tout près. Il distance de toi. Là je voudrais me rapprocher de lui mais comme j'ai dit je veux pas le perdre de vue. Je ne veux pas qu'il se fonde dans la foule ou quoi. genre. Euh... Okay tu commences à te rapprocher de lui et alors que tu te rapproches de lui, lui sa réaction est tout autre puisqu'il se met à crier à moi, à moi, ils s'en veulent à ma vie et il sort son arme et à ta grande surprise, d'autres personnes qui sortent des armes et, et pour vous, à peu près tous, à, coup, bah, à part ces gens qui sortent des armes, le reste, c'est un peu la panique. Euh, et les commerçants se, 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 se baissent et vous voyez des gens qui s'enfuient dans, dans un peu de partout, c'est la panique. Alors que, effectivement, il y a des gens qui... Ils sortent ils sortent des armes les autres alors que vous entendez ce cri peut-être certains d'entre vous reconnaissent c'est sa voix vous, vous voyez ce mouvement de panique et vous voyez euh, assez rapidement vous vous rendez compte également de ce qui se passe bon, rien parce que je reconnais pas sa voix je regarde Qu ce qui se passe Moi je reconnais sa voix, j'essaie de... Je, je, je lâche tout ce que je en train d'essayer. <laughs> et je, je, je sors de la tente pour voir ce qui se passe un peu. Moi je reconnais sa voix et du coup je me cache. Mais à couvert, très bien. Pour ma part. Oui. Pardon. Pour ma part, je ne comprends pas, je n'ai pas vu Saïd, donc je... Je ne comprends pas ce qui se passe. Je, je suis un peu interloqué, je reste choqué pour le moment. Très bien. Salim. Moi je me mets à couvert. Tu te mets à couvert. Tout que tu ouais. bah, Je veux pas le perdre de vue. J'essaie quand même de garder un œil sur lui. Tu te mets à couvert. Et. Eh bien, lancez votre initiative parce que eux, compte Naïm, euh, Salim, lui pointe son arme sur toi et il va faire feu. J'ai oublié cette initiative. C'est pour Hamza qui. Ah oui, je, je n'arrive pas à cliquer dessus. Mais voilà, je, 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 je m'en accommode. Euh... Eh bien, on va passer tout de suite à, à Saïd, Saïd qui va faire feu dans ta direction, euh, euh, Salim. Oui. Alors là, tout le monde entend. Hein, vous entendez une détonation euh, alors que Saïd euh, tire dessus, euh, te tire dessus avec un criquet euh, vulcain. On se met légèrement à couvert aussi. Tire dans ta direction. Euh, les quelques badauds qui restaient déjà, alors que les des armes s'étaient sorties, euh, se précipitent en courant. Euh, mais ils visent apparemment pas mal euh, et te manque. De son côté, euh, Karim voit autour de lui l'un des hommes sortir une arme et. Il va répliquer. Il est tout aussi mauvais que. <laughs> c'est des Stormtroopers C'est des Stormtroopers, <laughs> sans doute. La panique du marché. Il rate. Euh... Et donc, c'est à Daini. Alors, Daini même si t'es caché, t'as bien vu euh, au moins euh, Karim faire feu sur quelqu'un. Et. Le, le marché se vidant, tu vois quand même le... il y a quand même quelques personnes qui restent sur place et qui semblent armées. Euh... Ils sont armés de pistolets vulcains ou de matraques, <laughs> en fonction. Bon, de toute façon, ça a commencé à tirer. J'ai pas tiré sur le même. Que, que Karim. Je vais lui laisser. Je vais pas tirer sur euh, Saïd, puisque j'imagine que Salim va, va s'occuper de son cas. Je vais me concentrer sur celui qui est vraiment en face de moi. Donc, euh, je vais le plus près de Le toucher. Ouais, le plus près. D'accord. Il bénéficiera d'un léger couvert à travers les tentes. Non. Rien de problématique tu peux faire feu avec ton arme très euh... bien alors avant il va faire il n'a pas d'armure mais il va lancer un des dé... grand. Euh, le faible couvert qu'il a ça le ça ne l'aidera pas et donc là à toi de me dire tu tu touches donc tu as un dé pour toucher avec le deuxième dé soit tu peux faire un critique mon arme il suffit d'un dé supplémentaire pour faire un critique, ou soit tu fais des dégâts supplémentaires oh bah je vais faire un critique comme lancé un des 66 euh, c'est la commande un des 66 euh, alors est-ce que sur vos fiches il y a une commande bonne question Autrement, c'est 2d6 en fait. Hein. Je crois pas que vous ayez de commande prévue pour. Tu fais euh, 2d6. Euh... Ah, c'est pas un d 6 plus 2, c'est 2d6. Je... Je me remonte, hein. Voilà. Donc, on est sur du 43. Ce qui fait pas mal 43. Euh... Pas mal 43 plutôt pas mal tu le tu lui tires en plein dans le bras Donc il a un coude euh, sous l'impact euh, son coude craque et euh, et il semble perdre connaissance c'est un tir qui fait mouche comme on dit est-ce que c'est ta seule action De toute façon, je peux pas retirer une seconde fois. Donc non. Euh, je... non, parce euh... que là, tu as fait un tir euh, classique. Déplacé. Pour ouais, rester si à couvert. Ouais, je vais vraiment rester à couvert. Et donc, c'est au tour de Kalel. Euh, on voit à travers les tentes, hein, on est d'accord Ouais, après quand ils sont à travers les tentes, t'imagines, euh, hein, t'es dans un espèce comme un souk, hein, mais tu, tu vois, euh, mais effectivement euh, ça leur permet d'avoir un couvert, si tu tires à travers en fait. Mais c'est un couvert mmh. faible, hein, c'est des tissus, euh, et euh, pas, euh, effectivement c'est pas un gros couvert. Hein. Et on peut se déplacer et tirer Oui. Alors, normalement, vous avez 4 euh, euh, points d'action. Ouais. Et donc, tu peux tirer et te déplacer. <coughs> ok. Euh... Ouais, bon, de toute façon, euh, le plus logique, c'est celui euh, qui est là pour moi. En fait, un tir normal, ça te prend 2 PA. Ouais. Et vous avez en tout 3 euh, points d'action. Donc euh, un déplacement, ça te prend une action rapide, donc ça te prend que 1 point d'action. Après, si tu voulais, j'aurais dû préciser, si tu peux faire qu'un qu tir, et là tu peux faire un tir ciblé. C'est-à-dire que tu vises et tu tires. Et là, euh, ça te prend tes 3 points d'action. Ok. Ouais mais non de toute façon euh, je vais euh, je vais euh, aussi euh, tirer sur, euh, sur lui là, parce que je pense que je le... j'ai repéré qu'il avait sorti une arme à travers les tentes. Très bien. Donc tu peux faire feu. Euh, effectivement, tu peux faire un tir, un tir ciblé si tu veux pas te déplacer. Euh, C'est euh, déjà un très beau tir de. de la et un tir ciblé, ça te permet euh, d'avoir euh, un bonus normalement de plus 1. C'est ça. Une action lente est un plus 2. Pardon. Attends, ok. Et eh ben, je vais bien viser. Je vais pas essayer le tir automatique parce que c'est ce que ça fait. C'est impressionnant, mais il n'y a jamais beaucoup de... Ouf, plus 2 il n'y a, a pas beaucoup de dés et par contre tu touches euh, il a un dé. un dé de couverture tu le touches et tu lui fais trois points de dégâts salim je vais tirer sur saïd très bien Tire sur saïd Donc, tu fais feu Ouh, ça c'est un tir qui fait très très mal. Euh, tu peux faire... ta euh, t'as différents choix. Euh, tu peux faire un tir... Tu peux faire des dégâts déjà. Alors, il a un dé d'armure, mais ça ne va pas le sauver grand. Euh, non. Et... Euh, tu peux faire des dégâts. Tu lui fais 3 points de dégâts, après il te reste 3 dés. Avec 3 dés, tu as critique 2, tu peux lui faire... Euh, Soit un critique que tu peux lancer deux fois et choisir le, celui qui t'arrange, soit euh, soit un critique que tu lances une fois et un dégât supplémentaire, ou entre autrement euh, trois dégâts. Que préfères-tu oh, Allez, euh... je peux tenter un critique et du dégât. Très bien, donc tu lui fais quatre points de dégâts et je t'invite à lancer d66 alors attends euh, je disais des bêtises mais il a une, euh, avant, faut que, de façon, en plus de son couvert lui une armure ça change strictement rien et donc tu peux euh, lancer euh, d'or et déjà euh, un d66 dé 15 15 tu lui touches à la à la tête euh, il semble un peu sonné ah, tu vas lui faire une commotion cérébrale et pour l'instant il est sonné pendant un tour et, euh, et il a un malus on va mettre ça ok très bien euh, bon il était deuxième en initiative je l'ai fait disparaître euh, C'est à, à eux un peu. Hein. Celui-ci se précipite vers toi, mon cher Aid et va tenter de te frapper avec sa matraque. Et tu fais quelque chose. Tu dresses une action rapide. Ça ne fait que tirer. Alors tu peux tenter... Euh, tu peux tenter... Euh, ou pas. Donc il te fait euh, matraque euh, et deux points de dégâts. Tu peux lancer ton armure si tu en as. Dis ça. Ah, c'est toi. Ah. Tu n'as pas d'armure si et tu viens de te prendre deux points de dégâts. T'as pas dit Saïd Salim. J'étais sûr d'avoir entendu Saïd, je suis désolé. Ah non, non, c'est bien toi. Hein. Voulais esquiver Pas encore si tu avais mal compris. Euh, bah, je je je, franchement, je suis vraiment désolé. Bah, oui, je veux bien Donc essayer tu vas faire un, un, un test de mêlée. Et chaque euh, chacun de tes onus euh, de tes 6 annule. Euh, et ben, par chance, tu, tu pars son attaque, euh, peut-être avec ton arme, tu pars son attaque euh, de sa matraque et, et qui tentait de, de te. De te frapper, c'est à Hamza, oui. Et eh ben, moi j'aimerais bien sprinter sur celui qui attaquait euh, Salim et euh, le charger. Donc, faire une attaque au corps à corps, oui, oui. Euh, normalement, tu as ces 10 en mouvement, je crois oui, largement, et, te... et tu peux faire ton attaque. Est-ce que tu peux enlever le jeu en poste Stress à tourner. T'aimes pas les trucs qui tournent. Euh, tu n'as pas attaqué avec ton arme, alors c'est compliqué. Oui, de ouais. <laughs> je, je, je... Euh, Elle a combien de bonus ton cherché. arme euh, Elle a pas de bonus il me semble. Hein. Ici. si, toutes les, toutes les armes ont des bonus. Mais si, mais si. Gant assisté. Ah non, t'as zéro de bonus. Euh, D'accord. Dégâts 2. Critique 3, donc tu vas faire... Euh, donc... Euh, ils me dis que tu fais. Mais grosso modo... Euh, là, tu peux faire que des dégâts. Oh, des bah, dégâts, c'est déjà bien. Et tu fais... Il euh, des dégâts 2, hein, c'est ça ton arme. C'est ça. Donc ça fait 3 points de dommage. Bon, je propose que des dégâts, hein, mais sachez que potentiellement vous pouvez faire d'autres choses, je hein, crois. Soit... Aux actions, euh... quand même, il gri... es est... Tenter d'agripper quelqu'un. Et c'est pratique, mal Des dégâts, c'est très bien. C'est au suivant. Euh... à faire feu. Voir, il y a de la chance. Il avait rien demandé encore, le pauvre il... Naïm. <laughs> il fait feu dans ta direction. En fait, il fait feu dans votre direction, mais c'est vrai que c est, c est, c est, finalement, c'est peut-être toi. Il a peut-être à ce moment, au moment de T, es, est une pense avoir un angle de tir sur toi. Il fait feu. Tu as un couvert. Si tu le souhaites. Tu euh, as un dé d'armure de couvert. Plus ton armure si tu en as. Non, j'ai pas d'armure. Tu vas Alors, me lancer crois, un dé. Un dé 6 Oui. Et dans tous les cas, tu prendras un point de dégâts. Tu te prendre deux points de dégâts. Alors que... touche. Et tu vas pouvoir peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce puisque c'est à ton tour. C'est lequel qui m'a tiré dessus J'ai pas vu. Euh, c'est celui-ci. C'est tombé celui que je compte attaquer de toute façon. <laughs> si je me décale un petit peu vers le haut, genre, il rentre sous un couvert ou... euh... Oui, parce qu'on va considérer qu'il est vraiment, tu sais. Euh... Ok, je vois. Un peu caché. Euh... Tu, je t'accorde que si tu t'approches euh, au moins après euh, au moins jusqu'ici il aura pas de couvert ouais mais c'est trop à découvert ça. <laughs> du coup je vais prendre bien mon temps pour tu le veux tirer pas qu'il ait de couvert tu vas prendre plus de risques non mais je comprends <laughs> je vais prendre bien mon temps pour le tirer dessus du coup et je vais faire un tir. Avec... d'accord donc tu as un plus de alors tu vises et tu tires au dessus de la tête euh, de Kalel et Daini qui vont se prendre Petite roquette du canon Vulcain, leur siffler aux oreilles. Alors au pistolet que... accélérateur. Au, pixel... <laughs> au pistolet accélérateur. Que fais-tu Je sens que tu peux faire plus de dégâts. Tu peux faire, ou autrement, un critique. Je peux aussi euh, améliorer mon, mon, mon initiative, c'est ça Si je me souviens bien. Euh, oui. Normalement, oui. Tu peux te déplacer, en... améliorer ton initiative. Alors, je sais pas si tu peux le faire au tir. Là, je regarde. Ah, ok. Euh, Apporte opportunité, se défendre, blablabla, blablabla. tir. Effet bonus, hein, voilà, pardon. Euh, augmentation des dégâts, blessure critique, tir de suppression, augmentation de l'initiative, oui. Tu peux augmenter ton initiative de 2. Et ça prend en faire au prochain tour. Je vais faire mes dégâts normaux, du coup, et faire ça. Et que tu agiras. Euh... Et donc, tu fais combien de dégâts Excuse-moi. Deux points de dégâts. Deux points de dégâts. Très bien. Donc, Ça euh... va être un truc comme ça. Là, tu es égal à Karim. Karim. Ouais, après lui. Très bien. De toute façon, ça change pas grand-chose. Ah par contre euh... et le dernier, pardon, en fait avec ce changement d'initiative je suis perdu. Euh... Désolé, je n'ouvre plus le bordel. <laughs> et ben il va répondre. Il va tirer en direction de Kalel. Il lui a tiré dessus. Et il rate son tir, lamentablement. Et on reprend un nouveau tour. Donc, il était inconscient et reprend connaissance, mais c'est tout. Ça va être pareil pour Saïd. Euh... Okay. Et donc, c'est de nouveau à toi. Ah, euh... euh, bah, je tirais sur le même, toujours en prenant bien mon temps. Très bien. Euh, Pas mal. <laughs> Donc euh, euh, il a lancé son pauvre dé euh, de protection. Ah oui. Ça change ouais. rien. Donc tu lui fais quoi Que des dégâts, euh, euh, je, je, vais faire, je, je peux veux ça te faire lancer deux fois les critiques et tu veux dire ce que je veux, c'est ça Oui. Ah, je vais faire ça. Donc tu lances deux d 66 en fait et tu choisiras le meilleur. 36. Ou 32. 36 c'est une perforation du poumon. Il chute au sol. Vitesse de déplacement réduite de moitié. Donc il ne il risque de pas pouvoir courir tout de suite. Et euh, moins 2 en dextérité et infiltration. Ce n'est pas trop son problème sur le moment. Euh, donc là déjà il chute au sol. Il chute au sol. Et euh, voilà. Karim. Il va faire Il rate lamentablement. Naïmi. Je ne vais pas tirer donc sur celui qui vient de reprendre conscience. Je vais laisser celui de Karim à Karim. Donc je vais prendre mon temps de viser pour tirer sur celui qui est vraiment en face de moi. Celui qui est en face de toi. D'accord. Celui qui vient de tirer sur Kalel. C'est un plus de Plus ça, deux, oui. Si tu vises, tu as plus de Effectivement. Tu touches et ça bien, il touche et semble mal en point quand même. Il vient de se prendre un tir de pli puis euh, puis un tir de Ainie et il semble plutôt mal en point. C'est autour de Kalel d'ailleurs. Ah ben bah moi je continue. Hein. En plus, qui vient sur le même une, euh, Bah oui. Ok, il commence à tituber donc euh, il y a le job. Pas de prisonnier. Toujours en visant. Bah, pas lui en tout cas. J ai, j ai <laughs> pas pas lui en tout cas. <laughs> Ouf. Non, ça sera pas lui. Voilà. Je mets tout dans les dégâts. Donc, euh. Oui. Alors... Il même pas besoin. <rire> <rire> je ne lance pas son dé de couverture hein. il y a sans doute un ou deux pots en terre cuite qui explosent sous les tirs mais euh, l'homme s'effondre au sol et ça va être autour de euh, Salim euh, lui là il est oui. au cac ah bah oui il vient d'essayer de te euh... frapper avec une matraque donc ouais il est plutôt, euh, plutôt prêt on va peut-être euh, peut essayer de le frapper lui. Si tu veux. Ça va me prendre du temps si je veux changer d'arme ou. Ça ah va bah, prendre une action, euh... ouais. Une action rapide, oui. Ok, bah je vais juste. Euh, Ça veut dire que, je tu le... arme, que, tu, que tu lâches ton arme, que tu lâches ton arme, que tu l'as dans les mains, tombe au sol, tors une autre arme. Et je peux peut-être juste tu peux peux le frapper tirer dans sur la... la carabine. Tu peux, mais ça y a un malus de moins 3 Et je peux pas le frapper avec la carabine. Ah, donc ça sera une attaque à main nue. Mmh. Je, vais, je vais essayer de changer d'arme. Très bien. Ben tu changes d'arme, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que ta carabine tombe au sol. Euh, il faudra une action rapide pour la ramasser si tu souhaites après la ramasser. Et tu dois le et tu peux utiliser l'arme que tu as dans les mains. Je peux, je peux utiliser celle que je veux, je prends l'épée. Oui. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ton, ton épée fend l'air. Il y a un moment de sifflement, mais il se recule hein, juste à temps pour éviter ta lame. Et ouais, il menaçait de, de trancher violemment. Et ben. Bah, vite pour te rendre la monnaie de ta pièce. Et il va te faire un point de dégâts. Hamza bah, est-ce que euh, on considère qu'il est plus engagé avec moi et qu'il est engagé avec Salim et que donc est-ce que je peux courir jusqu'à Saïb Ah bah là il frappe, euh, il est quand même tout près de toi. Hein. Ouais mais est-ce qu'il est concentré sur moi ou est-ce que je peux passer euh, comme il est occupé avec Salim Euh de la corde si tu veux y aller mais je vais te demander un, un, un test quand même pour passer je vais te demander un, un test de dextérité Dans un test de dextérité tu, tu, tu passes à cause arrives à passer derrière lui et continuer sans problème juste justesse une menace de plusieurs fois tomber en Peut-être en passant sur euh, derrière lui et puis euh, en, en marchant plus ou moins à, à, le long des étapes. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tu peux aller jusqu'à lui, il n'y a pas de problème. Oui, le mort te gêne pas par contre. D'accord, parce que là, me passe dessus. <laughs> Et, et arrivé à lui, que, que fais-tu Eh ben, j'aimerais euh, l'agripper. Et tu l'agrippes euh, si Il n'y pas qu'est-ce qu'il avait eu, lui euh, L'agripper. Donc, euh, tu vas me faire un, un test de malus ou pas De mêlée, main nue. Non, tu n'as pas de malus. Relancer si tu le souhaites. Du... Je, je le capture <laughs> non non euh... non ça ne sera pas suffisant à euh, ah oui, euh... succès. D accord, d accord. il faut deux succès pour, euh, pour réussir à agripper. mais tu vas lui faire quand même euh, euh, des dommages de un point de dommage de il va faire lancer son armure Mais en gros tu, tu vas essayer de la gripper Tu vas lui donner un, un, un coup de poing dans la mêlée Mais Et euh, Et Il saigne de la lèvre le pauvre euh, Très bien L'ici il, il était au sol Mon euh, perforé Et bien mal en point On va passer euh, la suite, celui qui s'est relevé, il commence à s'enfuir et il fait feu dans la direction de celle qui lui a fait terriblement mal. Diny. Violent. Et je peux absolument rien faire de toute façon. Je lancer un dé de couverture. Un dé6. Oui. Il va t'éviter un point de dégâts. Et tu vas quand même t'en prendre deux. Trois points de dommages. Saïd essaye de se défendre. Tant euh, bien que mal contre, contre toi, euh, mon cher Hamza. Il essaye de faire feu, mais il est très mal en point Et avec son arme, euh, pas facile. Et il te rate. Mon cher. Euh... Naïm! Je vois qu'il y en a un qui essaie de s'enfuir et j'ai pas forcément envie qu'il aille prévenir euh... son chef. Du coup, je prends bien mon temps pour lui tirer dessus. Tu fais feu. Le but qui est tiré sur Daïni. Je, je vais lui faire un critique. 15, ans. 15 ans. encore une fois euh, et promotion cérébrale et il sera inconscient pour un tour les sonner courra moins vite sûr. et il se prend aussi euh, deux points de dégâts il n'a plus de couvert hein, lui parce que forcément il court dans les allées euh, il est beaucoup plus à découvert ah, notre cher PNJ. Va-t-il être utile Il s'applique. Il va donc faire aussi un tir visé. Sur le même. Cette fois, lui-même fait 3, 4 de dégâts. Celui qui était un peu sonné s'effondre au sol. À son tour, il est mort. Euh. Déjà. Ah. Daini! Bon. Celui qui t'a fait si mal vient de s'écrouler dans une mare de sang. Ouais, non, mais je vais pas le finir, c'est pas le genre de la maison. Je pense euh. qu'il est mort. <laughs> ouais, voilà. Il y en a un autre qui s'en est, est chargé. T'as sauvé la vie à Karim, il t'a. Rendu la, rendu la pièce. Exactement. Alors, pour faire un, un état de la situation, euh, quand même, Saïd est en prise avec un euh, mais il semble mal en point. Euh, il y a un homme au, au sol euh, qui est en train de se relever. Euh, et euh, il y a deux morts et un autre euh, qui est en prise avec. Euh, ça salut! Euh, celui qui est en train de se relever, il a une arme ou pas? Ah oui, ils sont tous armés. Hein. Bon, bah, je vais, je vais lui tirer dessus. Hein. Bien. En visant. En visant. Donc, tu as un plus deux. Tu tires. Mais sans doute que le tir que tu avais subi après a un peu déstabilisé. cest à que le tir manque sa cible. Quelle est elle Ouais. Bon, je vais tirer sur le même. Très bien. Voilà. Cette fois, je vais pas viser. Euh, je vais faire le truc euh, de tir automatique. Tir automatique Tu envoies du tir automatique. Très bien. Tu as, pas, tu as fait tir vraiment... automatique <laughs> Bah ouais j'ai fait un à mon premier c'est sûr que dès qu'on fait un c'est mort donc tu, tu tires une rafale et ouais, euh, mais lui il a un couvert euh, c'est un succès euh, bon cher Salim dernière fois que j'utilise ce truc tu as toujours ton épée en main ouais moi bah, je vais je vais réessayer hein. C'est beaucoup plus violent. Tu vas lui faire euh... Euh, des gars. Tu peux simplement décrire comment tu lui mets fin à ses jours. Euh... Ok. Bah... Euh, ton, ton, coup, euh, le... euh, ton coup, le... le... Il lui restait 3, 3 points de dégâts. Et là, peu importe ce que tu fais, tu lui fais au minimum 3 points de dégâts. Donc. Euh... Bah je lui, lui fais un high kick, je le pousse avec mon pied et ensuite je lui tranche proprement la gorge quand euh, il abaisse sa garde parce qu'il est déséquilibré. L'homme est euh, au sol, se relève. ne euh, pas jouer, ça ah, si, il y a Hamza. Je suis resté sur le mort en fait. Et il y a Hamza. Alors. Eh ouais. Hamza. Excuse-moi. Eh ben, je vais euh, réattaquer euh, Saïd. Tu essayes de le maîtriser, vas-y. Donc là, ça sera suffisant pour le... pour le maîtriser, le saisir. Et tant bien que mal. Donc celui qui était au sol se relève et commence à s'enfuir euh, pas très rapidement hein, il faut dire est ce que euh, pour faire rapide est ce que vous le poursuivez ou pas oui ouais. non alors ceux qui le poursuivent vous, euh, si c'est pour le éliminer euh, alors faire une attaque et une attaque alors qu'il s'enfuit dans les rues une attaque normale du coup sans... oui oui bah oui parce que déjà il vous faudra vous déplacer hein. un minima et il traîne un peu la patte parce qu'il a un poumon perforé hein. il, il galope pas euh... voilà. très bien alors qu'il commence à s'enfuir vous lui courez un peu après et vous tirez tous les deux dessus euh... au tir front mouche et il s'écroulera au sol. Au où il tombe, je me retourne vers Cadet, je dis. Bien joué. Alors, pas chercher ses potes. C'est mieux comme ça.